Hello tout le monde, bienvenue. Aujourd'hui on est avec ma belle-mère. On va aller faire quelques courses. Il y a un pigeon qui a fait caca sur la voiture. Oui, aujourd'hui on va aller faire quelques courses en magasin. Parce que j'ai ma soeur qui vient avec son mari, donc avec mon beau-frère et mes petits-neveux, Inch'Allah, ce soir, pour faire un repas. Donc aujourd'hui, on va faire quelques courses avec ma belle-mère. On va aller au magasin chez le Turc, acheter quelques trucs pour ma belle-maman qui va les amener en Tunisie. Et cool. صغير هذا صغير نصرة اليد فماش هذا هو نصرة قداش هذا لهذا النصر طل هذا اي شو من هنا خدش فاطمة فما النوعية هذه ولا هذه ولا هذه بالورد ولا بالبفري les poules avec ma belle-mère Mr. K. Il va choisir. Ah, c'est toi qui choisis? Ma belle-mère qui regarde. Qu'est-ce que tu veux? Trois gros aussi? Trois gros, Nico. Tiens. Ah oui, ça va. Tiens. 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 Il a ramené sa maman acheter une bague. On va voir ce qu'on va lui prendre. Parce qu'elle a une bague fantaisie là-bas, elle va changer. On est en train de voir. À chaque fois, on vient à Leclerc parce qu'à Leclerc, ils ont à chaque fois de l'or 18 carats, donc on préfère. Ils ont des belles, bagues. Alors là, je vais mettre mon cookéo en mode rissolage pour commencer donc à faire rissoler mes oignons ainsi que ma viande et ma tomate. Et comme c'est de la viande de mouton, donc je vais la faire ici dans le cookéo. Ça, on va la cuire beaucoup plus rapidement la viande et surtout elle va rester goûteuse. Je mets ici mon huile d'olive, voilà, fond d'huile d'olive. Je mets mes oignons coupés en petits dés. Voilà. Je mets mes morceaux de mouton. Ensuite, la tomate concentrée. Ici, on met une cuillère à café d'harissa, donc tunisienne. Et on laisse bien mijoter la viande dans la tomate et l'harissa. Là, on poivre et on met le sel aussi. Ici, à ce niveau-là, on met un petit piment comme ça piquant pour donner du goût aussi à la viande et à la sauce. Là, vu que les carottes, elles mettent un peu plus de temps à cuire, je les mets ici au début de cuisson. Je rajoute un petit peu d'eau pour l'instant. Je laisse encore un peu mijoter. Je mets mes pois chiches. Je mets ici mes fèves. Tout ce qui met du temps à cuire, je le mets au début en fait. Et je vais verser l'eau donc à hauteur et laisser cuire. Je rajoute ici des morceaux de cardon. Hop, là. C'est trop bon ça dans le couscous. Là, vous mettez votre graine, donc la graine à cuire à la vapeur. Donc ça, c'est fait. Vous l'humidifiez un peu et vous la mettez. Tout dépend du couscous que vous avez. Moi, c'est du couscous que je ramène de Tunisie.
Donc du coup, il faut un peu mieux l'humidifier. Je mets un peu de sel, un peu d'huile, j'humidifie et ensuite je mets à cuire à la vapeur. Alors ensuite ici, j'ai ouvert, donc j'ai laissé un peu cuire la viande avec les premiers légumes qui mettent du temps à cuire. Là, je vais ajouter mes courges. Voilà, hop. Mes morceaux de courge ainsi que mes courgettes. Voilà, et je referme encore pour quelques minutes. Bon, une fois qu'on met la graine ici dans le grand récipient, on va verser donc la sauce. Pour les petites nems, je vais mettre un peu d'oignon frais avec du persil et de la coriandre. Ensuite ici, je mets dans un bol donc mes petites pommes de terre coupées en petits dés. Je rajoute des petits pois que j'ai cuits aussi, pas très longtemps. Alors pour le mélange des nems, donc ici ma viande hachée, j'ai assaisonné, donc je vous disais coriandre fraîche, persil frais, un peu d'oignon frais aussi, avec la viande hachée, sel, poivre et un peu de curcuma. Une fois que c'est bien cuit, donc je mélange ici avec mes pommes de terre, mes petits pois. Voilà. J'y rajoute aussi de l'emmental râpé. J'y ajoute aussi des petits morceaux d'édamame, voilà. Et je vais lier le tout avec un œuf. Voilà. Vous essayez de voir un peu l'assaisonnement, si c'est bon. Alors pour les feuilles, j'ai pris ces feuilles-là, j'ai acheté ces feuilles-là, des spring roll pastry, comme des feuilles de samosa, pour faire les nems. Vous pouvez faire aussi les petits paniers comme ça. Et franchement, elles sont super bonnes, super croustillantes. Donc moi, ça, je l'ai pris chez l'épicerie turque, mais vous pouvez trouver ça même en épicerie asiatique. J'ai fait une jardinière de légumes avec donc ici les œufs durs, un peu d'olive, un peu de thon. Je vous donnerai la recette si vous voulez. J'ai mis aussi de l'oignon frais, des carottes, des pommes de terre, des petits pois. Enfin, voilà, maintenant, petite samosa bien cuite. Franchement, cette pâte elle est super croustillante. Notre couscous.